de faire de la musique et on fait la review du Mini Lab 3 de chez Arthuria juste après le jingle. Bonjour Adrien de ProjetHomeStudio.fr, le site francophone dédié à la MAO, à l'enregistrement et au mixage. Bienvenue dans cette vidéo. Avant toute chose, si vous êtes nouveau ou nouvelle sur la chaîne, n'oubliez pas de cliquer sur le petit bouton en dessous de la vidéo et sur la cloche juste à côté pour vous abonner pour être tenu au courant lorsque je publie de nouvelles vidéos autour de l'univers du home studio. Aujourd'hui, je vous propose du coup une review du MiniLab 3 de chez Arturia, qui est un petit clavier midi 25 touches qui prend la suite bien sûr du MiniLab 2. Et du coup, comme vous allez le voir dans cette vidéo, c'est un clavier au format compact qui permet quand même de faire pas mal de choses. Et, et comme c'est sorti il n'y a pas très longtemps, bah, ça m'a semblé intéressant de vous le présenter. Alors, tout d'abord, je voudrais remercier Arturia qui est partenaire de cette vidéo et également l'équipe d'Algam, puisqu'ils m'ont envoyé tous les deux le clavier Minilab 3 pour que je puisse le tester et vous donner mon avis à travers cette vidéo. Du coup, si vous êtes intéressé euh, bah, suite à la vidéo ou même de façon générale par du matériel Arturia, ce que je vous invite, c'est à le commander sur Woodbrass. Vous pouvez d'ailleurs aller sur Projum slash Woodbrass, c'est un lien affilié. Comme ça, bah, ça me permettra de gagner un petit quelque chose si vous faites une commande. Euh, ça permet de soutenir la chaîne si vous voulez mais sans surcoût pour vous donc c'est gagnant gagnant point important par contre hein, c'est pas parce que cette vidéo est du coup sponsorisée par Arthuria que je donne pas mon avis je suis toujours très clair et vous le savez je le dis sur toutes les vidéos review je suis toujours très clair avec les marques avec qui je travaille je leur dis voilà euh, moi ok je teste ça mais ce qui est bien je le dis et ce qui est pas bien je le dis également donc vous inquiétez pas euh, cette vidéo est en toute transparence comme on dit sur ce après ce petit disclaimer je vous propose qu'on passe à la review par elle-même en commençant par quelques images de l'unboxing Voilà, vous avez vu quelques images de l'unboxing de cette chose, de cette bête, le MiniLab 3 de chez Arturia. Alors, le clavier dans la boîte, il est livré simplement avec un câble USB. Il n'y a pas besoin d'autre chose hein, en tout cas. Euh, un truc qui est intéressant avant qu'on parle du clavier par lui-même, hein, un truc qui est intéressant sur ce câble, c'est que euh, la partie qui se branche sur le clavier est coudée. Et ça, je trouve ça vachement sympa parce que typiquement, ce genre de clavier euh, 25 touches, hein, c'est des claviers qu'on va retrouver dans les home studios où il n'y a pas toujours beaucoup de place. Du coup, avec un câble USB coudé, lorsque vous allez le brancher à l'arrière du, du Clavier, et ben ça vous évite d'avoir un câble qui dépasse et que vous pouvez pas plier derrière. Vous avez quelque chose qui suit le corps du clavier, donc c'est quand même très pratique. Côté fabrication, ce mini Lab 3, moi euh, il m'inspire vraiment confiance. Hein. Euh, depuis le temps que je l'ai testé, euh, j'ai pris un petit mois à peu près pour, prendre, euh, voilà, pour le manipuler. Euh, depuis le temps que j'ai testé, aucun problème, tout fonctionne bien, tout a l'air solide. Les potentiomètres, euh, ils sont. Euh, ils sont, ils sont suffisamment doux, il euh, y a pas de ça raccroche pas, etc. Tout est bien fabriqué. On a un design bah, qui est le design Arturia, hein, donc il y a certains qui n'aimeront pas, mais moi, même moi qui aime les trucs vintage, si vous voulez, euh, je trouve que c'est un design qui est très propre, très moderne, très clean, euh, et du coup, bah, je trouve ça vachement agréable. Un point appréciable également, c'est qu'on est sur quelque chose qui est assez euh, assez slim, hein, c'est assez fin. Hein, donc vous avez en fait juste l'épaisseur des touches. Hein. Vous avez les touches là, et puis vous avez juste l'épaisseur des touches avec un petit renfort en dessous. Hein, donc euh, de ce côté-là, ça vous permet vraiment de le, de le mettre un peu où vous voulez, et notamment si vous voulez le glisser dans un sac à dos, comme on voyait sur l'image d'intro, euh, et bien vous pouvez le faire, il n'y a absolument aucun souci de ce côté-là. Au niveau des touches par elles-mêmes, alors on est sur du toucher Synth Action, un type synthétiseur, donc euh, on n'est pas sur du toucher lourd, faut pas s'y attendre dans tous les cas sur un clavier sur cette gamme de prix. Par contre, le toucher pour moi il est bien, enfin, en tout cas pour jouer, ça ne me, me pose pas de problème, c'est agréable, c'est exactement ce que j'attends d'un clavier MIDI. Et enfin en termes de connectique, nécessairement on est sur un clavier MIDI qui est sur la gamme de prix on va dire des euros pour simplifier, donc faut pas s'attendre, et en plus c'est un petit clavier, faut pas s'attendre à des milliards de connectiques, euh, par contre je pense qu'il y a exactement ce qu'il faut, puisque bon vous avez bien sûr la prise USB pour pouvoir l'alimenter, vous avez une entrée euh, contrôle pour pouvoir brancher une, une pédale d'expression. De, de, et le point qui est vraiment important, je pense, euh, qui manque sur certains claviers, c'est la sortie MIDI Out. C'est-à-dire que vous avez bien une prise MIDI Out au format DIN, ce qui vous permet du coup de relier ce clavier MIDI à des synthétiseurs sans passer par un ordinateur. Donc si dans certains cas vous voulez euh, faire une petite jam sans allumer votre PC, ou alors si vous voulez emmener des synthétiseurs par exemple en vacances, pour pouvoir jouer un peu euh, entre guillemets sur la plage, même s'il faut de l'électricité pour les synthés quand même, euh, mais voilà, euh, si, si vous voulez, euh, si vous voulez euh, jouer euh, en déplacement par exemple, et eh bien et euh, eh bien bah, vous allez pouvoir brancher vos synthés. Donc ça c'est quand même très appréciable sur cette gamme de prix là. Si maintenant on parle des fonctionnalités par elles-mêmes, donc je vous l'ai dit, c'est un clavier 25 touches, donc deux octaves. Bien entendu, comme sur tous les claviers MIDI, vous n'êtes pas limité à ces deux octaves là, puisque vous avez des boutons en haut à gauche euh, du clavier, octave moins, octave plus, qui vous permettent de, bah, de transposer vers le haut ou vers le bas euh, ce que vous jouez, une octave au-dessus, deux octaves au-dessus, deux octaves en dessous, etc. Donc vous pouvez jouer toutes les notes sur ce clavier. En appuyant sur le bouton Shift également en haut à gauche et en utilisant les boutons d'octave à nouveau, vous pouvez également transposer d'un d'un ton ou d'un ton ou plus vers le haut ou vers le bas euh, les notes que vous jouez donc ça euh, bien sûr si vous êtes un, un pro des, des pianos que euh, vous connaissez tous les accords par cœur ça va probablement pas vous être utile par contre si vous êtes plus débutant euh, et ben ça peut être pratique de pouvoir transposer pour jouer exactement la même mélodie vous votre voix bouge pas si vous voulez mais euh, bah, vous transposez quand même d'un ton vers le haut ou d'un ton vers le bas et après vous avez également d'autres modes qui sont intégrés vous avez un bouton hold qui vous permet bah, de garder appuyer la note à partir du moment où vous jouez la note bah, elle reste appuyée si vous voulez, jusqu'à ce que vous appuyez sur d'autres notes. Donc ça, ça vous évite d'avoir à garder la main, surtout si vous jouez plusieurs synthés en même temps, etc. Ça vous évite d'avoir à garder la main sur le synthé. Et également, parce que c'est pas fini, vous avez aussi un mode Chord, qui est donc accord hein, en anglais, euh, qui vous permet de mémoriser un accord et de le jouer où vous voulez sur le clavier. En plus de ça, vous avez bien entendu une pitch wheel et une mode wheel qui sont au format euh, ruban. Donc c'est un truc tactile en fait que vous que vous manipulez, que vous appuyez, hein, vous faites glisser votre doigt dessus lorsque vous jouez. Je trouve ça un tout petit peu moins pratique que euh, des, des pitch wheel ou des mode wheel euh, en dur on va dire, mais euh, l'avantage c'est par exemple qu'il n'y aura pas de poussière qui va se rentrer dedans. Donc euh, vous êtes sûr que dans, dans 3 ans, votre clavier il va pas, <laughs> la pitch wheel elle va pas avoir de problème parce qu'il y a de la poussière qui est rentrée. Là, ça c'est le genre de truc, qui va toujours marcher. Ensuite, vous l'avez sans doute remarqué, vous avez huit pads qui sont sensibles bien entendu à la vélocité. Alors c'est peut-être pas les plus gros pads du monde, c'est peut-être pas. Les meilleures pattes du monde, mais en tout cas, à l'utilisation, moi je trouve qu'ils font très bien le job, c'est efficace, euh, ça répond bien à la frappe en termes de vélocité également, donc de ce côté-là, aucun souci. Par contre, le petit truc qui est dommage, euh, et je trouve, ça un... ouais, je trouve ça dommage en fait que Arturial pas un intégré, hein, c'est le fait qu'il n'y ait pas d'option de... de note repeat. Alors je ne sais pas si dans une mise à jour du firmware euh, ultérieur ce sera quelque chose qui sera faisable. C'est pas très grave dans l'absolu vous allez enregistrer sur votre dos euh, les notes que vous jouez, la... les... le motif de percussion que vous jouez, donc potentiellement vous pouvez rajouter le note repeat manuellement. Mais par exemple, pour jouer en live, vous avez peut-être besoin à un moment du note repeat et là vous pouvez pas le faire. Donc c'est pas très grave, ça va peut-être pas être indispensable pour tout le monde mais euh, je pense que ça aurait été bien si ça avait été intégré. Ensuite au-dessus des pads, vous allez retrouver 8 encodeurs rotatifs et 4 sliders qui vont vous permettre de contrôler typiquement les paramètres de vos synthétiseurs. Alors ça peut être des boutons que vous assignez euh, via votre dos à tel ou tel paramètre pour avoir par exemple le cutoff, euh, la résonance du filtre, la quantité de reverb, la quantité de distorsion. Mais également, si jamais vous utilisez les synthétiseurs de la marque Arturia et notamment Analog Labs, sachant que vous avez la version intro qui est fournie gratuitement avec le clavier, eh ben, ces petits boutons ils vont être pré-patchés si vous voulez, donc il euh, bah, y aura le voilà le, le cut-off du filtre le, les sliders ils vont être plutôt sur l'enveloppe du son et donc ça va être prépatché euh, bah, aux différents presets et donc, vous allez pouvoir jouer directement et ajuster directement euh, en live, si vous voulez, le son de votre instrument. Et enfin, dernière fonctionnalité dont je voulais vous parler, mais c'est la dernière uniquement parce qu'il fallait bien un ordre. Euh, de fait, c'est une fonctionnalité que moi je trouve vraiment intéressante c'est que dans ce clavier, vous avez un arpégiateur intégré. Donc, moyennant une combinaison de touches, euh, et puis en utilisant un des encodeurs qu'il y a avec le petit écran, parce que vous avez un petit écran euh, qui est intégré au clavier, et eh bien vous pouvez régler votre arpégiateur pour qu'il déclenche euh, les notes dans l'ordre que vous voulez, hein, vers le haut. Vers le bas, etc., en fonction des notes que vous avez appuyées en aléatoire, vous pouvez gérer euh, la rapidité, bien entendu. Hein. Est-ce que vous voulez des croches, des doubles croches, euh, des triolets, etc vous pouvez régler le pourcentage de gate. Voilà, vous pouvez régler un petit peu tout ce que vous voulez à partir du clavier. Et moi ça je trouve ça très sympa parce que du coup, si jamais vous branchez justement via le MIDI out directement votre clavier MIDI sur des synthétiseurs, bah ça vous évite d'avoir besoin d'un arpégiateur en plus. Et puis même si vous passez sur votre dos, vous pouvez également enregistrer les motifs qui sortent du clavier directement. Donc moi je trouve c'est une fonctionnalité qui est intéressante, ça servira peut-être pas à 100% des gens, mais c'est intéressant d'avoir ça directement intégré. Au mini Lab 3 surtout que du coup le petit écran hein, qui est intégré il est un petit peu petit c'est vrai mais ça vous permet quand même de voir tous les paramètres que vous gérez euh, l'interface elle est bien faite donc ça se règle très très rapidement alors si maintenant on parle plus de l'aspect intégration c'est à dire lorsque vous branchez votre clavier à votre ordinateur déjà ce qu'il faut savoir c'est que le mini Lab 3 il est class compliance c'est à dire que dès que vous allez le brancher en usb il va être connu et moyennant parfois quelques petits réglages dans votre dos, mais ça c'est indispensable, c'est pour tous les claviers MIDI, euh, vous allez pouvoir tout de suite l'utiliser. Il n'y a pas besoin d'installer driver. Par contre, ce que je vous recommande quand même de faire, c'est d'installer le MIDI Control Center fourni par Arturia, qui est un petit logiciel qui vous permet de paramétrer le comportement de votre clavier. Vous allez en effet pouvoir ajuster. Bah, les notes jouées par les pads pour dire bah, quand je clique sur ce pad là, ça déclenche telle ou telle note. Euh, vous allez pouvoir ajuster la couleur des pads pour avoir quelque chose de customisé. Euh, vous allez pouvoir euh, ajuster le comportement des encodeurs, des sliders, euh, les canaux MIDI associés, etc. Et tous ces réglages que vous allez faire, vous allez pouvoir les stocker sous la forme de presets un peu dans votre clavier. Donc euh, je trouve que c'est pratique et ça vous permet vraiment de customiser si vous voulez euh, votre expérience avec ce clavier là. C'est-à-dire vous pouvez vraiment faire en sorte que le clavier se comporte exactement comme vous le souhaitez. Ensuite, faut savoir que Arturia est allé un petit peu plus loin, puisque pour certains dos, en l'occurrence Ableton Live, Bitwig, FL Studio, Reason et Logic, euh, vous avez modulo euh, une petite procédure à suivre, et un petit script à installer. Dans certains cas, tout est expliqué sur le site d'Arturia. Vous allez pouvoir en fait. Euh Optimiser l'intégration de votre clavier avec votre dos. C'est-à-dire qu'en plus de toutes les fonctionnalités dont on a déjà parlé, vous allez avoir accès à des fonctionnalités supplémentaires. Par exemple, j'ai fait le test sur Ableton Live et avec l'encodeur principal qui est juste en dessous du, du mini écran qu'il y a dans le clavier, vous allez pouvoir, bah, lorsque vous êtes en mode arrangement, faire défiler votre arrangement et lorsque vous êtes dans la visualisation scène plus pour jouer en live, vous allez pouvoir bah, passer d'une ligne à l'autre euh, dans, bah, dans vos scènes. Hein, et déclencher toute une ligne euh, juste en cliquant sur l'encodeur. Et puis à chaque fois que vous passez de ligne en ligne, vos pads ils vont prendre la couleur des différents clips qui sont positionnés dans votre session euh, et euh, vous allez pouvoir déclencher chaque clip en cliquant sur les pads correspondants. Donc ça typiquement si vous jouez en live avec Ableton Live ou si vous voulez juste vous amuser chez vous aussi en, en, un peu en mode live, en mode que je crée à la volée, euh, c'est des fonctionnalités qui peuvent être très sympathiques. Juste pour être sûr d'être bien clair, par contre, euh, tout ça ça veut pas dire que sur les autres dos, vous n'allez pas pouvoir utiliser le mini lab, il hein, n'y a absolument aucun souci pour l'utiliser avec n'importe quel dos. Euh, J'ai fait le test sur Studio One par exemple, que, qui est mon dos principal. Sur Studio One, et ben, en faisant la configuration usuelle pour ajouter un clavier MIDI, eh bien, je peux utiliser mon clavier MIDI sans aucun problème. Et même, le Minilab, il vous donne accès à euh, des informations de type Maki Control, qui vous permettent, si vous faites la bonne configuration dans votre dos également, de lancer la lecture, d'arrêter la lecture, de lancer l'enregistrement via des raccourcis sur le clavier. Pour terminer, ce que je vous propose, c'est qu'on parle du bundle de logiciels qui est fourni avec le Minilab 3, parce que je trouve qu'à chaque fois qu'on achète un clavier MIDI, d'ailleurs n'importe quel matériel, c'est intéressant de regarder justement avec quel logiciel euh, le matériel est fourni. Tout simplement parce que, bon, d'une part, si on débute, ça peut euh, permettre d'avoir accès à certains outils gratuitement. Et puis, même si vous débutez pas, que vous avez déjà un dos, etc., euh, parfois il y a des petits plugins en plus, des petits synthétiseurs, des petites banques de sons, etc. Ça peut toujours être pratique. En l'occurrence, pour le Minilab 3, vous avez déjà accès à Analog Lab version intro. Donc, ça, c'est un logiciel d'Arturia. La version intro, c'est un peu la version light d'Analog Lab. Si vous voulez de quoi il s'agit, euh, c'est un peu comme si vous aviez des presets. Hein. En fait, dans Analog Lab, c'est un peu comme si vous aviez des presets. Qui viennent de l'ensemble de la gamme de synthétiseurs d'Arthuria. Sauf que ces presets sonores, euh, eh bien, vous pouvez quand même les modifier. Hein. Vous pouvez régler le, le filtre avec le cutoff, la résonance, vous pouvez régler la quantité d'effets, etc. Donc... Même si c'est sous la forme de presets, c'est des choses qui sont quand même suffisamment modifiables pour que vous puissiez euh, les réutiliser dans vos productions. Et d'ailleurs, il y a quand même des sons qui sont vraiment très très sympathiques. En plus de Analog Lab Intro, vous avez également une licence pour Ableton Live en version light, vous avez également deux pianos, vous allez avoir un piano chez UVI qui est plutôt un piano à queue. Et ensuite, vous allez avoir un piano droit qui va avoir un son un petit peu plus pop et un petit peu plus intimiste qui vient de chez les Native Instruments. plus De tout ça, vous avez également euh, une licence de deux mois pour Loop Cloud qui vous permet d'accéder à différents samples et notamment vous allez pouvoir en télécharger quelques-uns euh, directement sur votre ordinateur pour y avoir accès tout le temps. Donc, ça c'est cool, mais surtout vous avez également accès à des leçons gratuites sur un outil qui s'appelle Melodix. Alors, c'est quelque chose que je connaissais pas trop, que j'avais pas testé moi-même. Si vous voulez, et là pour le mini-lab, j'ai pris le temps de le tester. C'est un truc un peu comme Guitar Hero pour ceux qui connaissent, hein, c'est à dire que euh, vous allez devoir jouer soit des notes, soit des trucs sur les pads, des percussions en rythme, et puis bah, vous avez euh, une note selon que vous allez taper dans le rythme ou pas, ou jouer dans le rythme ou pas, ou jouer les bonnes notes ou pas. Et donc, vous avez des exercices progressifs, et du coup, je trouve que ça, c'est très intéressant. D'une part, si vous débutez avec les claviers, vous connaissez rien en clavier, je trouve que c'est une façon assez pratique, assez intéressante, assez ludique d'apprendre à jouer les notes dans le rythme. Ça permet de prendre confiance avec son matériel. Mais également, si par exemple, vous êtes plutôt pianiste et que vous n'avez pas l'habitude des claviers midi, justement, qui n'ont pas le même toucher, ça peut vous... Vous aider justement à prendre en main le clavier pour jouer de façon un petit peu plus efficace. Bref, vous l'avez compris, ce Mini Lab 3 de chez Arturia, c'est un petit clavier MIDI 25 touches qui, pour moi, fait beaucoup de sens. Euh, ça fonctionne très bien, c'est clean, c'est joli. Euh... Ça fait le job en fait, si vous voulez. Moi, c'est exactement ce que j'attends d'un clavier MIDI. En tout cas, d'un clavier de cette taille-là, qui a vocation à être un peu portable, etc. Alors, pour vous dire d'ailleurs, euh, moi d'habitude, j'utilise un clavier qui s'appelle le Keylab Essential 49 de chez Arturia, du coup, euh, qui est juste là. Vous le voyez pas sur la vidéo, mais euh, j'en parle un petit peu dans, ma... dans mon studio tour. Je sais pas si tout le monde l'a vu, je vous mettrai ça en fiche quelque part sur la vidéo. Mais le fait est que d'une part, la pièce dans laquelle je travaille est pas ultra grande. et Surtout euh, comme je fais des vidéos, je teste du matériel, etc. Euh, parfois il y a vite pas mal de choses euh, qui ont besoin d'être présentes au même moment dans la pièce. Et du coup j'ai tendance à le retirer, ce clavier, à le mettre sur le côté, refermer le stand, c'est sur un stand en, en X. Hein, euh, j'ai tendance à mettre ça un petit peu sur le côté. Le problème c'est que généralement le jour même ou le soir même, à chaque fois que je le décale ce clavier, euh, j'ai besoin quand même de tester un nouveau plugin, euh, euh, de faire quelques sons pour m'amuser, etc. Et du coup, euh, coup j'ai un peu la flemme à chaque fois de rebrancher le gros clavier. Et donc ce que je vais faire c'est que ce mini lap 3 je vais le laisser en fait juste en face de moi. Alors ce ne sera pas la position la plus ergonomique hein, parce qu'il va être un petit peu haut, euh, mais euh, je vais le laisser juste en face de moi, juste en dessous de mon écran. Comme Ça, j'aurai accès tout de suite aux touches. Euh, c'est un clavier qui sera tout le temps branché et, euh, et ben, j'ai aucun doute qu'on euh, que va bien s'entendre. Bref, voilà mon avis sur le mini Lab 3. Si jamais vous êtes intéressé par ce clavier ou par du matériel Arturia de façon générale, je vous invite à le commander sur Woodbrass. Pour rappel, vous pouvez aller sur projethomestudiofr slash Woodbrass il y aura le lien euh, dans la description de la vidéo et en commentaire épinglé. C'est un lien affilié, ça vous permet de soutenir la chaîne si vous commandez via ce lien sans surcoût pour vous. Donc, euh, bah, c'est quand même sympa si vous passez par ça. Si la vidéo vous a plus je vous invite à mettre un petit pouce vers le haut d'une part c'est également sympa mais surtout ça aide à ce que la vidéo soit un petit peu plus visible euh, je vous invite également à me dire en commentaire en dessous de la vidéo ce que vous vous en avez pensé qu'est ce que vous pensez de ce mini lab euh, est ce que vous utilisez vous-même un mini lab peut-être vous avez déjà le mini lab 3 également et dans ce cas là je vous invite à laisser un, laisser un avis sur ce que bah, à vous pour votre utilisation est ce que ça vous convient et enfin n'oubliez pas de cliquer sur le logo juste là pour vous abonner si ce n'est pas déjà fait et si vous voulez continuer à regarder du contenu prochain Studio c'est par ici a bientôt